Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui au taquet pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator. Plein de choses à vous dire, j'ai plein de nouveaux modes, vous allez très vite les voir. Et je vais vous les citer, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Euro Truck. On est parti pour un convoi exceptionnel qui sera très court, donc je pense qu'on fera une deuxième livraison. Nous sommes actuellement en Italie et nous allons livrer un dispositif high-tech, voilà, de 45 tonnes. Nous sommes donc en Italie, vous me l'aviez demandé, donc je me suis dit, let's go, on va faire un petit convoi exceptionnel. Donc ça fait plutôt plaisir. On met le contact et regardez, la petite nouveauté déjà, c'est les mains sur le volant. Voilà, est-ce que ça vous plaît ou pas? Vous me le direz en commentaire. L'autre nouveauté, vous le voyez ici. Ah, le nouveau mode Google Maps Navigator qui fonctionne cette fois-ci. Je vous rappelle que ça ne fonctionnait pas à l'époque chez moi et du coup, j'ai pris la version Pro Mode et maintenant ça fonctionne. Vous aviez insisté et vous aviez bien eu raison. On met les gyrophares. Et je crois qu'on est tout bon là. On va pouvoir partir avec notre convoi exceptionnel, un dispositif high-tech qui est très large par contre. Je vois pas en quoi c'est un dispositif high-tech. Enfin du coup on sait pas ce que c'est hein. On sait pas ce que c'est, alors faut bien prendre large hein. On va vraiment... Là va falloir rouler en plein milieu les gars en fait hein. Va falloir rouler au milieu. Préparez-vous. Bah ouais, tournez à gauche. C'est globalement ça qu'il faut faire. Donc on va faire comme on peut. Tournez à gauche. Oh non. Il me semble que... Non, on n'a jamais fait ici. Si ça me dit quelque chose, attendez. Parce que le problème c'est que si c'est ce que je crois, je sais qu'à un moment donné il y a un passage très serré et il me semble qu'on l'avait déjà fait en vidéo. Mais je crois pas que ce soit là. Attendez, me dites pas que c'est ce que je crois. Si, on a déjà fait un convoi exceptionnel ici, vous vous souvenez? Aïe 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 aïe. Ça ne va jamais passer. Est-ce qu'on se la fait en contresens les gars? Ouais, on va se la faire en contresens les gars. On va se la faire en contresens les gars, il faut que ça passe. Donc on va serrer à gauche. Maintenant on va serrer à droite. Vous avez cutché l'itinéraire, mais va te faire foutre, gros. Oh non, je pensais pas. Franchement, je pensais pas qu'en prenant en contresens, ça allait me faire ça, j'avoue. C'est la première fois que ça m'arrive. Petite déception, quand même. Petite déception, les gars. Ah là 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 là. Bon, bah tant pis, j'aurais voulu tenter quelque chose, ça n'a pas... Voilà, bah il fallait bien que ça arrive. Il est temps de prendre... Du coup, on recommence du début, ça va, c'est pas trop gênant. C'est pas grave, c'est pas grave, il fallait bien que ça m'arrive. Moi, j'aime beaucoup les mains sur le volant. Alors, forcément, c'est pas la même position que moi. Comme à chaque fois. Préparez-vous à tourner à gauche. Voilà, ça a failli taper. Mais en vrai, c'est sympa, ça rajoute un truc. Tourner à gauche. Ça rajoute en vrai un truc immersif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si on le garde ou pas. J'aime beaucoup aussi le Google Maps GPS. En vrai, maintenant que ça fonctionne, ça fait plaisir. Et les gars, j'ai installé encore deux autres nouveaux modes. Je ne vais pas vous les spoiler pour le moment. Ouais, je vais pas encore vous les spoiler, vous allez le voir en temps et en heure. Bon, est-ce qu'on va y arriver? On va exprès faire ça comme ça parce que je sais pas comment on va faire. Ce serait bien qu'on y arrive du premier coup et en vue intérieure quoi. Mais j'avais déjà tellement du mal à passer ici. Alors à gauche, le poteau. Tournez à gauche. Il est passé. On va se concentrer sur la gauche. À gauche ça passe. Ça passe. En réalité, je suis pas sûr que j'ai réussi, tu vois. Genre, dans la vraie vie, je pense que ça aurait tapé et que c'est transparent. Mais bon, les gars, pour moi, c'est une réussite, les gars. Pour moi, c'est une réussite. Donc, ouais, on avait bel et bien déjà fait cet itinéraire en convoi exceptionnel. Je suis désolé, du coup, si c'est un peu répétitif pour vous. Mais en tout cas, voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être de retour, encore une fois, sur Euro Truck. Et j'ai plein de choses à vous dire. Alors, les gars... En vrai, vous savez quoi? Cette semaine, sans live, elle m'a fait du bien. Je vais pas vous mentir, elle m'a fait du bien. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Je vais pas répéter. Mais je me tâte, en vrai, je pense que la semaine prochaine, je ferai pas de live non plus. Ou alors j'en ferai un ou deux. Et ils seront sur Twitch. Et ce sera pas sur YouTube.
Vraiment juste parce que j'ai envie de me poser là. J'ai vraiment envie de me poser et profiter parce que c'est super sympa. J'ai passé un bon moment à chiller, très sincèrement. Donc en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de live Euro Truck non plus la semaine prochaine. Alors je sais que vous allez peut-être être triste, mais les gars, dites-vous qu'à la place, il y a quand même plus de vidéos Euro Truck, des vidéos un peu plus travaillées aussi. Donc clairement, voilà, j'espère que ça vous dérange pas. J'espère que vous trouvez aussi le compromis, voilà, pour faire le pour et le contre. En tout cas, voilà, moi je passe vraiment du bon temps. Et au moins, voilà, je ne transmets que la bonne humeur finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait toujours plaisir. Il est très très lent l'autre devant. Ah bah oui, c'est une zone 30. C'est une zone 30. Donc voilà. Allez, je vous spoil le troisième mode que j'ai installé. C'est Tuned AI Traffic Trucks. En gros, les camions de l'intelligence artificielle qu'on va croiser, genre lui là, eh ben il y en a qui vont être randomisés, customisés. Genre de manière random, ils vont être customisés. Un peu comme si on était en multijoueur, si tu veux. Lui, il a pas de custom, je crois, mais voilà. Par exemple, tu verras des camions avec des rampes customisées de lumière, des trucs comme ça. Et ça rajoute plus de... Alors, plus d'immersion, mais ça rajoute plus de variation dans le décor, finalement. Tu vois, tu te croirais un peu... Tu te dis pas que c'est des robots intelligence artificielle, puisqu'ils ont aussi customisé leur truc. Donc, c'est un truc sympa. Et le quatrième mode, je ne vais pas vous le dire tant qu'on n'a pas croisé ce truc en question, d'accord? Donc je ne vais rien dire pour le moment. Allez, c'est parti, on roule. Donc en vrai, ouais, c'est un petit trajet qu'on est en train de faire. Donc si jamais c'est trop court, on fera une deuxième livraison. Mais ce ne sera pas un convoi exceptionnel, ce sera une livraison classique. Mais ça, on verra. Ça se trouve, la vidéo va déjà être assez longue, déjà avec mon fail que j'ai eu. Donc on verra. On va bien rouler au milieu. Le camion, s'il te plaît, respecte-nous. Waouh. En vrai, c'est chaud. En vrai, je me demande si c'est pas un peu transparent quand même le truc. Hein. Parce qu'en vrai, je suis pas sûr que ça soit passé. Hein. Dans la vraie vie, je suis pas sûr que ça soit passé. Bon, les gars, ça fait plaisir. Je suis tellement content aussi dans ma vie parce que demain, au moment où je tourne cette vidéo, je vais mettre ma moto en révision, les gars. Et ça n'a pas de prix parce que je la récupère mercredi. Mercredi, je récupère ma moto. Nouveaux pneus, tout sera ok. Je vais perdre beaucoup d'argent. Mais on va pouvoir refaire de la moto et ça va être juste incroyable. Ça va être que du bonheur, les gars. Merci d'être nombreux. D'ailleurs, depuis que j'ai parlé de ma chaîne YouTube secondaire, enfin ma chaîne de moto, bah vous la follow et ça fait plaisir. Donc merci, les gars. Ça fait plaisir. Donc on verra pour faire des vidéos de nouveau. Mais en tout cas, voilà, moi je vais kiffer de pouvoir faire de la moto le 10 mars. Ça y est, je peux le dire. Je vous l'ai déjà dit. Le 10 mars, mon nouvel EP va sortir. Alors les gars, soyez au rendez-vous le 10 mars sur les plateformes de streaming Spotify, allez, YouTube Music, Apple Music, Deezer, iTunes, bref, toutes les plateformes de streaming, mon EP sera dispo. Vous pourrez aussi les utiliser pour les stories Insta, les stories TikTok. Enfin bref, vous m'avez compris, ça va être juste incroyable. Ce sera aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube, ça sortira le 10 mars, il y aura tout mon EP et tout. Enfin bref, les gars, j'ai trop hâte et j'espère vraiment que vous allez kiffer. J'espère que vous serez présents pour écouter ça et à me dire ce que vous en pensez. Je rappelle que dans mon EP, eh ben, il y a des chansons de love, mais très sympa. Enfin, genre, c'est pas gnangnan, quoi. Et surtout aussi, enfin, pas surtout, mais il y a Délivrance partie 2. Voilà, je vous rappelle, Délivrance, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Vraiment, si vous savez pas de quoi je parle, les gars, écoutez, s'il vous plaît, mon premier EP. C'est dans la description. Mais vraiment, n'hésitez pas à écouter mon premier EP. Il est sorti en juillet de l'année dernière. Pareil, des chansons d'amour. Et un titre, Délivrance, dans laquelle je balance tous les trucs qui me font chier dans la société, tous les trucs qui m'ont fait bader durant voilà, le racisme, l'homophobie, tout ça quoi, toutes les inégalités, bref, allez checker ça. Et là, dans mon EP, il y a Délivrance partie 2, donc avec encore plein de nouveaux trucs, enfin tu vois, parce que le monde n'en finit pas finalement de la connerie humaine. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, j'ai hâte d'être le 10 mars, et donc voilà, c'est dans 2 semaines finalement, et ça va être plutôt sympathique. Donc les gars, dans 2 semaines, quand l'EP sortira, il y aura un petit blanc de vidéo de la même façon pour laisser un peu de la visibilité à mon EP. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo Euro Truck dans la même semaine, etc. Donc il y aura vraiment une semaine où il n'y aura pas de vidéo. Ou en tout cas, il y aura une vidéo le lundi. Parce qu'il me semble que le 10 mars, c'est un mercredi, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Donc dans ce cas-là, il y aura une vidéo lundi et il y aura une vidéo dimanche. Pour laisser vraiment de la place à mon EP, tu vois. On verra, hein. Je promets rien, mais vous verrez ça dans le programme des vidéos. Il faudra pas m'en vouloir forcément. Le projet, j'ai vraiment envie de donner de la visibilité. Et les gars, voilà les gars. Je parlais de moto à l'instant. Et ben voilà, vous me l'aviez demandé, je l'ai fait. J'ai installé le mode. Comment ça s'appelle? Attendez.
Motorcycle Traffic Pack. Les motards. Le bruit des motos est dégueulasse, hein. On dirait une 125, mais c'est trop cool. Voilà, je voulais pas installer ce mode comme vous me l'aviez dit. Et finalement, comme maintenant on est nouveau de saison, que les motos sont sorties, que moi je vais pouvoir ressortir la mienne, je me suis dit putain, quand je joue à Euro Truck, je veux voir des motos. Alors voilà, je sais pas si elles se penchent, je sais pas si c'est réaliste, mais elles sont là, les motos, et voilà, c'est du génie. En plus, il est en combinaison et tout, c'est trop stylé. Enfin bref, voilà. Du coup, ils sont là et comme ça, on va faire attention à eux. Par contre, il m'énerve à doubler et à ralentir. Pourquoi il fait ça, gros? Pourquoi il fait ça, gros? Par contre, ça va être frustrant. C'est que si on leur rentre dedans, à mon avis, ils vont pas tomber de leur moto. Alors tant mieux, mais du coup, c'est pas réaliste. C'est le mec qui veut renverser des motards. Pas du tout. Mais disons, ça va être frustrant de si je dois rentrer dans eux, malheureusement. Bah que juste, je vais me faire stopper comme un... Enfin, voilà, on n'est pas sur GTA, quoi. Ah, le péage. Ah là là, on va passer un péage. Et vous rappelez que les péages, c'est pas le meilleur des souvenirs. Bon, maintenant, on sait comment se téléporter, remarque. Mais bon, on va voir. Mais en vrai, je pense que la livraison, elle va faire toute la vidéo. Je pensais pas, mais... Ah là, j'ai peur que ça ne marche pas. La barrière va pas s'ouvrir, les gars. Ah si, celle-là, elle s'ouvre. Ouais. Trop bien. Et là, je me prends un mur invisible et je me chie dessus. Allez, zébardi. C'est vraiment très sympa, le Google Maps GPS. En vrai, ça rajoute un truc, quoi. Ça rajoute un truc un peu plus réaliste. Il me semble qu'il y a des touches pour qu'on puisse zoomer directement sur le truc, mais je sais pas c'est lesquelles. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en vrai, j'ai pas trouvé. Voilà, je vais pas vous mentir. Enfin, j'ai pas cherché, à vrai dire. J'ai pas cherché. Voilà, hop. J'ai pas du tout regardé mes angles morts, mais les gars, je suis prioritaire, c'est un convoi exceptionnel. Ici, c'est chez moi. Hop là. Ah, c'est comme dans ma dernière vidéo où j'ai transporté du fromage. Bah, du coup, il n'y avait pas ma facecam, hein, my bad. Où j'ai transporté du fromage et j'ai pas cédé la priorité dans les ronds-points. Je m'en suis rendu compte. Je l'ai dit en rigolant dans la vidéo. Je dis, les gars, je suis prioritaire, c'est du fromage. Et il y a un gars en commentaire, il est venu, il était énervé. Genre, il était en train de me reprocher. Il est en train de... Hey, frérot, dès le premier rond-point, tu laisses pas passer. Bah ouais, mais t'écoutes la vidéo ou pas? Je sais bien, je le dis que je laisse pas passer. C'est bon, quoi. Éteins, c'est un truc de ouf. C'est comme si là. Je disais oh, regardez les gars, juste pour rigoler, je vais faire des zigzags. Et le gars, il va venir en commentaire en disant, ouais, j'ai remarqué que tu fais des zigzags, enfin, c'est pas réaliste. Et gros, je sais, je viens de le dire que pour rigoler, je vais faire des zigzags. Bon bref, allez, c'est bon, c'est tout pour moi. Il y a toujours des gens qui viennent te casser les... Voilà, heureusement j'ai la petite censure. Non mais voilà, mais c'est un truc de ouf. Et en plus, c'est toujours une personne sur tout le reste. Ça, c'est ce qui est génial. Donc voilà, bref, c'est incroyable. Hop là, on sort du pont, tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais quand même essayer de voir si je trouve la touche pour zoomer ou pas le GPS. Alors, c'est pas ça. Peut-être si je fais F5. Bah non, si je fais ça, c'est sur le GPS. Ah non, ça marche pas. J'ai failli dételer la remorque, mais ça marche pas quand on roule, il me semble. Hein. Il me semble que ça marche pas, qu'il y a une sécurité. Et heureusement d'ailleurs, parce que là, j'ai failli perdre la cargaison sinon. Oh merde. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, ça c'est pour mettre la radio. Bon, je crois que je ne trouverai pas. Je suis désolé les gars. Je pensais pas que ça ouvrirait autant de menus. Non, ça c'est les différentiels, désolé. Ça c'est pour... Je sais que ça c'est pour ouvrir la carte, donc je vais pas le faire. Bon, je ne sais pas. Si vous avez une idée, peut-être plus. Pas du tout. Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisserai me dire, évidemment. Il fait beau, il fait jour, on peut enlever les feux. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh, j'aime bien les mains sur le volant, je vous jure, il y a un truc qui se crée là. Alors, on dirait pas mes mains, mais bon, il est tout aussi blanc comme un cul que moi, donc en vrai, ça passe. Il manque quelques poils quand même, parce que faut le dire, je suis un peu viril quand même, ok? J'ai un peu des poils. Voilà. Pourquoi tu ralentis comme ça, gros? Parce qu'on est en zone 70, excuse-moi. Moi, je respecte pas la police italienne des fois, je suis désolé. En même temps, la police italienne, voilà, hein, les gars, voilà. Vive la police, sauf la police italienne, j'ai envie de dire. Hein. Je rigole. Allez, oh, c'est beau, il y aura de quoi faire une belle miniature. Eh, c'est un peu sauvage, hein. On se croirait un peu dans une savane là quand même. Hein. La savane de Goupil. La forêt de Goupil. Tenez la droite, puis sortez à droite. Mais carrément, on va faire ça, monsieur. Par contre, du coup, on est d'accord. Ah, bah oui, du coup, avec ce GPS là, on n'a pas les routes en jaune pour dire quelle route on a déjà explorée. Ah, c'est con ça. Ah, en vrai, c'est un petit défaut. Waouh! Ouah, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance.
Ouais, en vrai, du coup, tu sais pas quelle route t'as déjà pris, c'est dommage. Parce que ça me plaisait bien pour continuer à explorer le monde, savoir ce qu'on a déjà fait, ce qu'on n'a pas encore fait, quoi. Il a une drôle de façon de tenir le volant, lui. Hein. C'est deux qui a une drôle de façon de conduire. J'imagine déjà un commentaire sur, sur les 300 autres. Non, peut-être pas 300, mais. Oh là là. Mais attendez, je suis curieux là. Si je mets ça, est-ce qu'on voit quand même les routes qu'on a. Ah bah si, là on voit les routes qu'on a déjà pris en jaune. Mais c'est quand tu roules. J'ai fait planter le jeu, les gars. J'ai totalement fait planter le jeu. Ah non, c'est bon. Ouais, mais c'est sur le GPS quand tu roules qui c'est pas en jaune. Et ça, c'est bien du coup, ok. Au moins, c'est réaliste. Parfait, parfait. Bon, en tout cas, voilà. J'ai hâte des prochaines vidéos Euro Truck où on refera des livraisons normales. Parce que c'est vrai que du coup, là, j'ai fait un convoi exceptionnel. Parce que j'ai vu en commentaire que vous vouliez ça. Donc je me suis dit, bah let's go. Et je voulais pas trop me prendre la tête pour cette vidéo. Mais les prochaines vidéos, donc la semaine prochaine. J'avais pas vu que ça ralentissait aussi. Enfin, que ça tournait aussi fort. Ah non, mais là, ça va pas passer. Hein. Ah si, c'est bon, là, je pense que ça va s'ouvrir. Mais non, mais si. Ah si, ça s'ouvre. Ah, j'ai eu peur que ça s'ouvrirait pas. Hein. Attendez, je me concentre juste le temps de. Voilà. Ouais, je disais. Et bah, que du coup, on refasse des livraisons normales. Préparez-vous à tourner à gauche. Et que du coup, on fasse nous-mêmes l'itinéraire sur le GPS. Du coup, en plus, avec ce GPS, c'est super agréable, c'est joli. Tournez à gauche. Et qu'on dise, voilà, je veux éviter de passer par là, je veux passer par là, etc. Et du coup, faire un peu des détours. Mais être. Enfin, des détours pour éviter, par exemple, les autoroutes. Mais faire en sorte d'être à l'heure, pouvoir anticiper les coupures. Voilà. Être un vrai routier, quoi. Typiquement, ce que je ne serais pas dans la vraie vie, puisque du coup, je ferais pas ça dans la vraie vie. Mais voilà, quoi. Dis, let's go. Hein. J'ai toujours pas la motivation. En fait, avant de commencer la vidéo, j'étais en mode, vas-y, je vais peut-être acheter une remorque. Mais en fait, j'ai vraiment pas envie d'acheter une remorque sur ce jeu, parce que ça va servir à rien. Je vais même pas l'utiliser. Je préfère largement faire des offres de traction, quoi, en vrai. Hein. Voilà. Tout ce que j'avais envie de dire finalement. Voilà. Allez, en tout cas, on est très très bien. Les prochains investissements, tiens, je sais pas. Ça va être quoi les prochains investissements sur Euro Truck? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Est-ce qu'on va améliorer des garages? Ben, on les a tous améliorés. Donc on va acheter des nouveaux garages en vrai. Hein. En vrai, on va acheter des nouveaux garages. Et donc des nouveaux camions. Et puis voilà quoi. Tout simplement, ça y est, on arrive dans le village. Ah ouais, les touristes là, restez sur le côté. Wow. UPS, vous avez vu, c'était UPS, trop stylé. Attention à la lave, j'ai eu un succès, attention à la lave. Pourquoi donc? Par contre, j'ai appris un truc, ça va être frustrant en vrai d'être routier, dans le sens que tu sais pas forcément ce que tu transportes. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Parce que du coup, je savais pas, mais en vrai, du coup. Préparez-vous à tourner à droite. En fonction d'eux, hein. Mais souvent, quand tu transportes quelque chose, tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Tu sais à peu près. Et encore. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et c'est rare qu'à la fin. Enfin, c'est pas toujours qu'à la fin tu saches quoi. Mais c'est trop stylé. Ah non, il pose pas le pied par terre. Ah, c'est dommage, c'est mal fait. Je pensais qu'il posait le pied par terre. Bon, on va faire ça bien, les gars. Parce que sinon, c'est la merde. En vrai, ça passe de ouf, hein. En vrai, ça passe de ouf. Allez, c'est carré. On est dans les champs. Bah, du coup, on est en train de livrer un truc technologique ici. Je me demande ce que c'est. Hein. Je me demande ce que c'est. Et pareil, voilà, on ne saura jamais ce que c'est finalement. On sait que c'est un truc technologique, mais on sait pas ce que c'est. Voilà. Ça se trouve, c'est une bombe nucléaire. Pas du tout. Bonsoir. Ce que j'aime bien avec les convois exceptionnels, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de manœuvre. Waouh, calme-toi par contre. Normalement, il n'y a pas besoin de faire de manœuvre. Waouh, c'est chaud, gros, calme-toi. Mais c'est tellement la galère ce terrain là. Je vous jure, mon volant, j'arrive pas à le résister quoi. Déjà que ce matin, j'ai du chiquet dans les bras, je vous le dis. Ah, voilà. C'est carré. On va se mettre là. Oh, tourne, putain. Les gars, mais c'est un truc de ouf. C'est la première fois que la résistance est aussi complicado. Voilà. Impeccable. En vrai, je crois que je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal du tout même. Ok, et eh ben c'est carré les gars. C'est carré les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment une petite livraison, mais en vrai ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Hop, tac, bim boum.
Eh ben c'est carré, on n'aura pas fait de miniature. On n'aura pas fait de miniature. Eh ben les gars, on va se faire une nouvelle livraison. C'est cadeau, c'est pour vous. Les gars, on va faire ça. On va livrer 9 tonnes de voitures de Paris à Francfort. Ça faisait super longtemps qu'on n'était pas à Paris. Alors on va pas être au centre de Paris en vrai. Bon, donc c'est pas ouf, mais on va faire ça les amis, let's go. Ah, on y est. Oh regardez, on peut voir... on peut voir notre corps. C'est chelou. Alors on est à bord d'un Renault les gars. Je sais que vous kiffez beaucoup les camions Renault. Hein. Absolument pas. Par contre les rétros, ils sont super cool. Ils sont pas bien réglés. Alors les gars, on va se mettre bien. On va se mettre bien. C'est très important de se mettre bien. Donc on va régler les rétros. Lui c'est bon. En plus c'est quand même des voitures qu'on livre. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça en vrai. Donc ça fait plaisir. Ça fait quand même vachement plaisir. On met le contact. Tac. Tac. Alors attendez. Le tableau de bord. Oh, c'est vraiment moche. C'est super moche. En tout cas voilà. On est bon. On n'a pas de gyrophare hein, si je dis pas de bêtises. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait ça en vrai. Des livraisons de voitures, donc c'est plutôt cool. C'est une mission rapide les gars, je le rappelle, juste si jamais. Alors il n'y a pas de GPS intégré, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Donc c'est une mission rapide, hein. C'est pas mon camion, c'est rien de tout ça. Mais ça fait plaisir. Allez c'est parti pour 600 km, 8 heures de route. Du coup là on va pas faire le trajet nous-mêmes, hein. On va prendre l'autoroute parce que sinon ça va être interminable. Sachant que c'est quand même notre deuxième livraison. Donc on verra la semaine prochaine les gars pour faire nous-mêmes nos trajets. Allez, on y va. On va livrer des voitures. Ah, j'ai pas regardé c'était quoi comme voiture. Bon, c'est des voitures classiques, hein. C'est pas des voitures de luxe ou quoi. Vas-y, passe, mec. Parce que t'attends depuis tout à l'heure, quand même. Hein. Nous, on est gentils, on est des routiers. Par contre, le rétro... Oh, oh regardez. C'est moi, ma copine et un pote. Je sais pas qui, mais... Ah, c'est trop stylé. Bonjour, la gendarmerie. Ah ouais, le klaxon. Par contre, ouais, y a rien qui va dans ce Renault, hein. Je suis désolé, hein. Alors, j'aime beaucoup Renault. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là le rétro ici, dégueulasse. Le klaxon, dégueulasse. Le tableau de bord, dégueulasse. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Mais le camion lui-même. En vrai, le camion lui-même il est sympa. Il roule bien. Et c'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon. Motard! Motard! Ouais! Levez des motards! Oh, par contre, je vais être fada. Hein. À chaque fois là de voir des motards, je vais être fada, les gars. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, allez c'est parti les gars. J'espère que vous êtes contents que je fasse une deuxième livraison. C'est vrai qu'à l'époque, bah après c'était pas pareil. Quand j'ai commencé l'aventure, j'enchaînais les livraisons. Mais en même temps c'était des petits trajets au début, tu vois, normal. Et là, là forcément c'est des très longs trajets qui viennent de plus en plus. Mais du coup voilà quoi. Et vous savez quoi, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Par rapport à mon entreprise Trucksbook, ok? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc déjà pour le moment vous pouvez postuler de manière simple. C'est-à-dire que je vous engage quoi qu'il arrive. Enculé! Et ça, c'est ce genre de camion que je vais conduire, moi. Dans la vraie vie, avec mon permis C. Je vais être un tocard comme lui, en fait. Non, bref. Un tocard comme lui, j'ai pas dit que ceux qui roulent ça, c'est des tocards. Hein, parce que je vais faire ça, moi. Mais je veux dire, il a réagi comme un tocard. Non, c'est pas ça que je vais conduire. Je vais quand même conduire des plus gros, en vrai. Si, non, j'ai rien dit. Il y aura... Non, j'ai rien dit. Alors, c'est typiquement des trucs comme ça que je peux conduire, mais... C'est encore des plus grands, mais... Pas non plus, mais... Voilà. Bon, bref, du coup... Je disais un truc et je ne sais plus. Vous m'avez perturbé les amis, pas du tout. Je disais un truc. Ah mais merde. À tourner à droite. Ah mais je sais plus ce que je disais. Enfin à part que j'espère que vous êtes content que j'enchaîne. Mais c'était pas ça, mais je disais un truc super important en plus, je suis sûr. Non, je disais un truc. Vraiment je disais un truc. Je suis dégoûté. Voilà, je vous le dis, je suis dégoûté. Allez. Waouh, la voiture elle est passée devant le camion aussi, hein. Nos respects. Hein. Mais les kilomètres-heure, ils marchent pas? Ah, le tableau de bord, il est bugué, les gars. Ah ouais. Le tableau de bord, il est bugué. Truc de ouf. Truc de ouf. Bon, allez, du coup, ouais, vraiment, je disais un truc. Oh, ça me dégoûte. Vous aussi, les gars, quand vous parlez, vous dites un truc et vous vous perdez l'espace d'un instant et vous oubliez ce que vous disiez alors que c'était... Vous avez la conviction que c'était nécessaire de dire ce que vous vouliez dire. Ah oh là là, je sais plus, c'est... Je sais plus, franchement, je suis au bout de ma vie, là. Allez, tout droit. Salut, capitaine. Ah oh là là. Ça fait du bien de rouler vite un peu de nouveau, là. En plus, là, du coup, on prend pas d'autoroute pour le moment, donc on se fait une petite départementale. C'est quand même relativement sympa. C'est vraiment tout ce que j'aime sur ce jeu. En contraste avec la première partie vidéo, finalement, donc c'est cool.
Mais en vrai, il fait un beau bruit le camion. Oh là. Pour la petite parenthèse. Alors là, ça tourne. On est un peu des fifous. J'ai l'impression qu'on va super vite alors que je respecte les. Enfin là, du coup, je suis à 86. Mais j'ai l'impression que je vais super vite. Alors qu'en vrai, ça va. Je suis pas non plus très rapide. Putain, je voulais dire un truc, je ne sais plus quoi. C'est pas grave. Bon, les gars, je vais. Vous savez quoi? Je vais essayer de dire des trucs. Et peut-être que ça va me revenir, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, bah, hier j'ai mangé des gaufres. Non, pas du tout. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Bon! C'est méga perturbant de. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, comme dirait Patrick Bruel. Donc voilà quoi, un big up. Ah oui, je parlais de Trucksbook! Yes! Merci de me l'avoir rappelé, les amis. Exactement. Ah, je suis sûr que vous étiez frustrés parce que j'avais commencé la phrase et que je savais plus c'était quoi la suite. Est-ce que ça vous. Donc, pour le moment, vous pouvez donc postuler sur mon entreprise Trucksbook, c'est dans la description. Vous avez juste à demander, à faire une petite phrase, même pas, et je vous embauche quoi qu'il arrive. Et on s'en fiche parce que si jamais vous avez rejoint l'entreprise juste pour dire que vous l'aviez rejoint alors que vous roulez pas à Eurotruck, je vais le voir, tu vois. Moi, je vois le nombre de kilomètres que vous faites. Et donc, c'est pour ça que l'objectif est très simple, c'est juste 1000 km à faire. 1000 km ça se fait en easy quoi. Tu vois, genre là cette livraison elle fait 600 km. Donc vraiment c'est super simple. Tu as juste à jouer deux fois ou même en une fois et tu as fait tes 1000 km. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Donc si vous avez fait dans le mois 0 km ou bah pas les 1000 km, et ben hop, ça dégage et ça laisse la place aux autres. Dit comme ça, c'est un peu méchant. Est-ce que ça vous intéresserait du coup, donc dès qu'on a une bonne base, parce que dès que voilà, on aura une bonne base, que vous êtes nombreux à beaucoup rouler, déjà merci à tous parce que vous êtes nombreux à rouler, ça fait vraiment plaisir. Moi, comme dit, ça me rapporte rien, les gars. C'est juste pour le fun, c'est juste pour qu'on roule sous la même enseigne, donc c'est sympa. Mais est-ce que ça vous intéresserait que quand on aura une bonne base, eh ben, les prochaines candidatures, ce soient des candidatures sérieuses. C'est-à-dire que je ne prends que les meilleurs, selon moi. Et en gros, que je fasse ça, pourquoi pas en vidéo. Genre, en gros, je vois les candidatures et vraiment que les candidatures sérieuses, je les accepte. Genre, bonjour Mkoulo, je suis un passionné de la route, j'ai déjà fait ceci, cela, je sais faire nanani... J'aimerais rejoindre votre entreprise parce que... etc. Tu vois, et genre j'accepte que les gens comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas qu'on fasse ça à l'avenir en vidéo? Ça peut être drôle. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que, bon, dans tous les cas, c'est pour rigoler. C'est une entreprise virtuelle. Personne n'a rien à gagner, donc on s'en fout. Mais en même temps, vous êtes des vraies personnes, donc j'ai pas envie de faire le connard, donc c'est un petit peu dommage. Mais comme dit, c'est pas non plus la vraie vie, on s'en fout, tu vois. Donc c'est pas non plus très grave que je remballe des gens. Mais du coup... bah vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Pour le moment, vous pouvez vraiment rejoindre comme ça sans aucun problème, donc n'hésitez surtout pas. Mais voilà, ça peut être fun. Et pourquoi pas voir en vidéo aussi les statistiques des livreurs, quoi. Enfin, des routiers, quoi. Voir un peu qui est le meilleur, etc. En vidéo, ça peut être assez intéressant. J'aime bien regarder un petit peu de temps en temps sur Trucksbook, voir bah, qui fait quoi, parce que je trouve ça vachement marrant. Mais pourquoi pas faire ça en vidéo? Ça peut être assez amusant. Est-ce que quelqu'un va être gentil ou pas? Non, personne n'est gentil ici. Personne n'est gentil. C'est pas grave. Bah oui, bah tu te mets à gauche, gros, hein. C'est tout, hein. C'est d'ailleurs même dommage. Regardez, il y a plein de motards. Énorme. Ça aurait été bien que... Bon, après, je sais que c'est compliqué et on peut pas tout refaire, mais que dans la mise à jour 1.40, l'intelligence artificielle soit revue, quoi. Parce que vraiment, il y a des trucs, des fois, c'est pénible. Quand tu t'insères, ce serait vraiment bien que les voitures se mettent à gauche, quoi. Si elles le peuvent, bien sûr. Parce que arrêter toute la circulation pour te laisser passer, c'est du jamais vu, quoi. Sauf dans un bouchon, mais là... voilà, quoi. Voilà, voilà. Attends, je vais peut-être un peu l'aider parce que... Je vais ralentir parce que sinon ça va faire chier tout le monde. Eh, je suis un vrai routier ou pas, moi, les gars? Voilà. Tu fais les appels de phare, comme ça il peut se rabattre. En vrai, dans la vraie vie, les routiers, ils se rabattent jamais aussi loin. Hein. Les routiers, ils se collent au cul hein, quand ils se doublent. Hein. C'est un truc de ouf. Et là encore, on est à 80 km/h. Hein. Ah bah oui, mais de toute façon, les routiers roulent à 90. Mais je veux dire, quand toi, tu roules à 130 et qu'il y a un camion qui double un autre, du coup, forcément, tout le monde est un peu embêté. Tenez la gauche. Mais ils se collent au cul. Hein. C'est drôle. Par contre, là, je suis dans la merde. Je suis dans la barbe à merde. Oh non, le motard, je suis désolé, gros. Oh! Wouah!
Et tu sais quoi, ce serait stylé qu'il me double là. Genre tu sais, je me mets, bon là on arrive dans un virage, mais tu sais, je me mets bien sur le côté pour qu'il puisse m'interfiler, tu vois. Ce serait stylé, mais bon. Y'a déjà tellement de choses qui vont pas avec l'intelligence artificielle que je vois pas pourquoi ça fonctionnerait ça. Là j'ai eu peur pour le... Moi je suis touché hein, avec les motards, les gars, on rigole pas avec eux. Je disais en début de vidéo, c'est dommage que si on les écrase ils tombent pas, mais évidemment ça me ferait mal que ça arrive. Hein. Mais même dans un jeu, c'est... non. Les voitures, je m'en fous. Mais alors les motards, toi tu me laisses m'engager, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais sois respectueux un peu. Tu te mets sur la gauche, c'est tout. Ouais, je suis youtubeur, je fais des vidéos dashcam. Je suis un énervé sur la route, moi. En vrai, mais je l'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, mais... Feli, il m'avait dit, ouais, garde ton calme et tout, t'énerve pas, parce que dans la vraie vie, sinon tu vas pas y arriver. Mais en vrai, y a des gens, c'est des sanguins. Hein. Quand tu regardes leurs vidéos dashcam, les routiers, tu te dis, waouh, c'est chaud. Genre, ils s'énervent pour rien. Genre, des trucs qui arrivent tous les jours, quoi. C'est pas bien, faut klaxonner ces gens-là, mais je veux dire, le mec, il gueule pendant 10 ans dans son camion pour un truc qui se passe toutes les secondes. Alors justement, j'imagine que c'est gonflant, que c'est stressant, que c'est énervant, et moi je vais m'énerver, et moi je suis le premier à m'énerver sur la route. Mais je veux dire, bah voilà, en vrai, là je rage dans un jeu, je m'énerve dans un jeu parce que j'arrive pas à une manœuvre. Mais bon, en vrai, c'est pas grave quoi, dans la vraie vie, il y en a, ils s'énervent pour 3 fois moins. Donc voilà. Voilà. Voilà, bye bye là. Eh, c'est quoi cette musique? Elle était trop bien celle-là. Eh, j'arrive peut-être un peu trop vite, hein. J'avoue, hein, je me suis un peu fait peur, hein, quand même. Hein. Je me suis un peu fait peur. Alors, 5h50 devant nous. 7h la prochaine coupure, donc j'ai pas de problème à me faire à ce niveau-là, donc c'est carré. Hein. Par contre, j'ai besoin du GPS. J'ai besoin du GPS. Bon, alors attends. Lui, il va pas nous faire chier. L'autre, avec sa coccinelle, il va attendre. Oh, des montgolfières! C'est trop bien! Attendez, j'ai pas mes feux depuis tout à l'heure? Ah, si, j'ai rien dit. C'est trop beau! Des petites montgolfières. Salut, Roger, ça va? Allez, bah, c'est nickel. Direction Bruxelles. Hop! C'est carré, on est parti. On va se mettre à. Oh, 90 en plus, ça fait plaisir. Un petit 90 et on va mettre le régulateur. Et puis, on va être parti pour de la route, quoi. Ah là là, trop stylé! Trop stylé, j'adore. Je préfère les motos. Alors là, ça va être la merde. Je peux pas me mettre à gauche. Lui, il va s'engager. Voilà. On connaît. Bon, j'aurais pu mettre les warnings, hein, mais. Bah, allez, avance maintenant. Ah ouais, c'est chaud. Et là, on va passer la frontière France-Belgique. France-Belgique, je rappelle qu'on a donc remporté à la Coupe du Monde. Hein. Pardon. En plus, voilà, vous êtes nombreux à être belges à me regarder. Hein, voilà, je veux pas vous foutre le seum de nouveau, mais bon, voilà, je voulais quand même vous rappeler que, bon, voilà, on est un peu les boss. Alors, ah là là, je vais perdre des abonnés juste pour une connerie, quoi. Ah, je suis mort. Province de Hainaut. Et bah c'est parti. Je suis désolé. Par contre je pense qu'il faudra que je fasse le plein d'essence. Assez bientôt, je pense. Je pense qu'on n'y arrivera pas, si je sais pas. On va pas tenter le diable, de toute façon c'est couvert par l'employeur. Fréja. On va pas faire le plein tout de suite, hein. Y'a pas besoin. Puis là ça va être un peu compliqué de s'insérer à droite. Donc il y a pas de souci. Pourquoi le track hier il me... Ah voilà, je préfère. Putain, on roule hein. En vrai, on va vite hein. On va vite de ouf. Attends, régulateur. Voilà. Nickel. Oh, je suis désolé, c'est un peu dommage le tableau de bord qui est buggé. Bon, l'avantage c'est qu'on a les kilomètres heure du coup sur le GPS en bas à droite. Voilà, hein. Mais pourquoi il s'est déréglé tout seul le track hier, hein. On suivit de la tête. Alors je pense que c'est parce que je me tiens de moins en moins droit. Tenez la droite. La Louvière.
Ça, c'est des bonnes autoroutes. Là, on reconnaît la Belgique avec les lampadaires comme ça. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, je vois ces lampadaires, je sais qu'on est en Belgique. Hein. C'est. Bon, faut juste qu'elles soient allumées parce que là, il est midi. Et en Belgique. Non, mais je rigole. Je sais que en vrai, non, c'est, ça arrive. Et quand j'étais en Belgique, les lumières, ils étaient allumées alors qu'il faisait jour, quoi. Et ouais, vous êtes riche en Belgique. C'est vrai, je peux plus trop rien dire sur la Belgique parce que je m'en rends compte, mais au début, je disais beaucoup de trucs sur la Belgique parce que bah, j'aime bien, on y était allé une fois. Mais du coup, en fait, comme vous êtes des. Il y a des Belges qui me regardent, bah, je vais faire gaffe à ce que je vais dire, quoi, tu vois. Mais ça va, j'ai rien contre eux, moi j'adore les Belges, j'ai rien contre vous, du coup. J'adore les Belges. J'adore la bon, c'est sympa, la Belgique. Mais alors, par contre, les gars, c'est un monde à part. Hein. Ah ouais, on peut en parler. Je crois que. Je sais pas si j'en ai parlé ou pas. Mais vraiment, mais on était dans une. Dans une campagne, en fait, hein, quand on était en Belgique. On n'était pas en ville ou quoi, on était dans un petit coin perdu. Je pourrais pas vous dire où. On est allé manger dans une baraque à frites, hein, si vous voulez. Vraiment le beau cliché, si vous voulez. Et vraiment, les gars, là-bas, ils étaient tous défoncés. Enfin, défoncés, ils étaient. Enfin, je pense à la bière, quoi. Et ça va? En vrai, genre. Mais on était dans un monde à part, je vous jure. Alors, j'imagine bien que si vous êtes de la ville, bah, c'est pas pareil, hein, évidemment, je pense. Mais vraiment, moi, j'étais inquiet, hein. Je savais pas où j'étais. Hein. J'étais dans un. En fait, j'étais pas à ma place. Alors, ni avec. Voilà, on était à plusieurs, mais. On n'était pas à notre place. On était pas chez nous, hein, évidemment, mais on n'était pas à notre place. Genre, on était les seuls qui étaient différents. Non pas parce qu'on était français de France, mais parce qu'on était sobre. Mais vraiment, hein. Mais ils étaient tous. Ils marchaient. Ils avaient une dégaine. Un cliché. Mais que je ne connaissais même pas sur la Belgique, évidemment. Mais un cliché des gars qui sont bourrés, si tu veux. Mais tout le monde était comme ça. Alors la joie de vivre, pour ceux qui nous servaient les frites et tout, ils étaient géniaux. C'était drôle, mais ils étaient aussi défoncés. Mais les clients qui arrivaient à la baraque à frites, mais ils avaient déjà bu avant, hein. Mais ils n'avaient pas bu une bière. Hein. Waouh. Oh mais où. Une bonne 8.6. Non, mais ils ont bu 5 8.6, c'est pas possible autrement. Hein. Et encore. Enfin bref, voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Très important. Allez, on arrive à Liège. Dans la province de Liège. Donc voilà, est-ce que vous connaissez, les gars, ou peut-être que vous en faites partie, mais si vous êtes en Belgique, est-ce que vous connaissez des endroits ou des gens qui sont un peu shootés à longueur de journée à la bière? Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, tu vois Jimmy Labeu. Bah, Jimmy Labeu, il est fou dans sa tête. Il est drôle, tu vois, mais c'est son personnage. Et il est pas shooté dans la vraie vie à marcher. Enfin, je pense pas. Voilà. Donc vraiment, imaginez-vous Jimmy Labeu, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Du tout, mais pas du tout. Jimmy Labeu, Jimmy c'est une personne normale, tu vois. Mais tenez la droite, puis tournez à droite. J'étais quand même effrayé, quoi, quand j'ai vu les gens. Voilà. Mais je pense, on va dire, c'est la campagne, tu vois. C'est chacun a ses campagnes, on va dire. Mais alors non, c'était pas la campagne, parce que moi je viens de la campagne aussi, mais en France. Mais c'était même pas la campagne, c'est la campagne profonde, si vous voulez. Vraiment, c'est le plus profond qui existe, je pense. C'est-à-dire que je suis sûr que même les Belges ne savent pas où j'étais, quoi. Genre, si je dis le nom, je suis sûr que vous connaissez même pas cet endroit. C'est obligé. À moins que c'est connu justement pour les gens shootés, je sais pas. Alors attends, là. Parfait. Parfait, parfait. Ah voilà, ça fait plaisir. Vive la Belgique. 3h44 de route. Bon, niveau essence, en vrai, ça passe. En vrai, c'était une bonne idée de rajouter des motos. Vous aviez raison, les gars. En vrai, ça rajoute un truc très sympa. En vrai, de vrai. Ça rajoute un truc très sympa. Bon, j'aurais peut-être pas dû me mettre tout de suite à droite, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils roulent vite, hein. On est d'accord, ils roulent plus vite que les voitures, hein. Ils ont fait exprès, hein. Cliché des motards. C'est vraiment le cliché des motards. Oh! Un camion Carrefour! Vive Carrefour! Le pire klaxon. Le pire klaxon. Bon, les gars, la semaine prochaine, quand on refera des livraisons, on fera ça avec mon propre camion. On verra lequel. Est-ce qu'on reprendra le Renault jaune? Est-ce qu'on. Je ne sais pas. Parce que je sais que vous l'aimez pas. Soit on reprend le Renault jaune, soit on prend je sais pas lequel, mais pas le Scania, parce que le Scania c'est des livraisons exceptionnelles. Tenez la gauche.
Mais t'es sérieux gros, mais t'es un bouffon toi. Il me fait faire aller à droite et maintenant il me dit d'aller à gauche. Bah ouais. Bah les gars, c'est n'importe quoi. C'est d'un débile profond. Enfin bref. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui vient de se passer, c'est ridicule. Et là, on va passer une nouvelle frontière. Tenez la gauche. On va où là? En Allemagne? Mais non, pas du tout. Réorientation. Mais quoi, réorientation? Tenez la gauche. Mais attends, mais il s'est passé quoi là? Il se passe trop de choses en même temps. Ah si, on est en Allemagne. On est passé par la Belgique pour aller en Allemagne. Mais il s'est passé quoi là? Pourquoi il m'a fait réorientation? Mais c'est quoi ce bouffon là? C'est à cause de Google Maps GPS qu'il se passe des trucs bizarres? Eh bé? Waouh! Plein de motards là. Il y a une miniature à faire là bientôt les gars. Il y a une miniature à faire. Mais j'ai envie de faire ma miniature quand on voit des... Bah là il y a une moto qui me double. Donc je pense qu'on va la faire très sincèrement dans 3, 2, 1, top! C'est carré. Bon du coup évidemment... Bah vous serez spoil par la miniature. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh. Ah ouais. Bon, dès qu'il y a une moto pour moi, vous savez très bien comment je suis, donc voilà. Genre, en vrai, la miniature, elle est pas belle. Mais comme il y a une moto, bah... En vrai, c'est stylé, quoi. Allez, c'est pas très lumineux, mais il y a une moto, donc on s'en fout. C'est très bien. En plus, c'était un Solex. Enfin, non, c'était pas un Solex. Je suis désolé, mais on aurait trop cru un petit truc... Voilà, quoi. En vrai, il y a de quoi faire une autre miniature au cas où. Ça, on verra. Wow. Tu vois, donc là, le GPS, il me dit d'aller à droite après, ok? Et vous allez voir, après, au dernier moment, il va me dire, bah en fait, va à gauche. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. La concentration est palpable, hein, les amis. On n'a pas fait d'accident depuis le début. Donc, j'ai pas envie d'en faire maintenant. Oh là 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 là. Oh là là. Là, il y avait de quoi faire une miniature avec les deux motos. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg, j'avoue. Mais si la bonne opportunité se présente, regardez toutes les voitures qu'il y a. C'est incroyable. Real traffic time, c'est vraiment un mode incroyable en vrai. Hein. En vrai, j'ai un bon pack de modes là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est très très bien là comme ça. Alors j'imagine qu'il va falloir que j'aille à gauche. Oh là 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 là. Ah, le motard il me laisse. Ah, parce que le motard il va à droite, parfait. Merci motard. Les motards c'est les meilleurs. Tenez la gauche. Eh ouais, les motards c'est les meilleurs. Merci copain. Wow, en plus sa moto. Bon, le bruit ça va pas avec, hein, mais ça déboîte. Ça déboîte sa maman. Allez. Bon, j'espère que vous kiffez les gars, ça vous refait une vidéo longue et tout. Longue et dure. Un petit peu comme votre présence sur mes vidéos. Et ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Et en plus du coup, je gagne beaucoup d'argent. Vous le voyez en bas à droite, hein, les livraisons. Toi tu me laisses passer aussi, ça se voit. Hein. Ça c'est gentil ça. En vrai j'ai pas la notion des distances, mais maintenant j'ai compris. En vrai ils sont pas si proches que ça. En vrai ma remorque elle est pas si longue que ça. Donc des fois j'ai l'impression que je vais me faire rentrer dedans, alors qu'en fait ils me laissent passer. Donc c'est vraiment cool. Pour le coup. Allez vas-y. Vas-y bébé, je vous laisse passer monsieur. Putain, il y a beaucoup de voitures, c'est génial hein. Enfin il y a beaucoup de trafic je veux dire. Camion, voiture, moto, c'est incroyable. Là, on est vraiment très très bien. Genre, la vidéo, elle est vraiment intéressante à partir de maintenant, je trouve. Enfin, le trajet, je veux dire, tu vois. Ah ouais. J'adore. Là, s'il y a une moto en plus, je refais une miniature. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je suis
concentré de ouf sur mon rétro de gauche quand même. Mais fais pas ça, mais c'est comme dans la vraie vie, pourquoi ils font ça? Ils doublent et après ils freinent devant toi, mais c'est un truc de ouf. En ce moment je regarde beaucoup les vidéos de bah, le Trucky du coup, qui fait des dashcams. Et bah voilà, bah c'est plutôt cool hein. Putain, en plus le Trucky les gars, alors oui, on va parler de le Trucky. Alors il a pas fait de vidéo depuis un petit moment, j'espère qu'il va bien d'ailleurs. Bon déjà, est-ce que vous vous rappelez de l'anecdote que je vous ai racontée il fut un temps, quand j'étais en 50 cm cube avec ma derby et que je me suis fait klaxonner par un camion parce que je roulais en contresens entre guillemets en faisant de l'interfile comme un connard, et que je me suis fait donc klaxonner par ce camion parce qu'il a dû avoir peur. Bah les gars, la probabilité que ce soit le Trucky, la tête de Wham, bon la probabilité est aussi faible que forte, mais je vous jure que ça pouvait très bien être lui, parce que j'ai découvert que le Trucky, bah il habite à côté de chez moi. Enfin il habite, oui il habite à côté de chez moi, il le sait pas hein. Je sais pas où il habite, mais il habite à côté de chez moi. Bon déjà, je trouvais que son accent, il ressemblait vachement à un accent alsacien. C'est quand même vachement marrant. Hein. Bon, et en fait, il arrête pas de rouler là où je suis, en fait, si vous voulez. Donc, vous regardez où il roule, le Trucky. Après, ça veut rien dire. Je sais pas, je sais pas s'il est du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin. Ça veut rien dire. Mais en tout cas, il est de chez moi, quoi. Et au plat. Et en plus, et alors du coup, quand il s'énerve et que tu l'entends faire « Oi, oi, oi !» Ah bah là, c'était... En vrai, j'avais des doutes. De où il venait, il suffisait juste qu'il fasse oi 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 et c'était sûr qu'il était chez moi, tu vois. Bref, et du coup bah je kiffe encore plus parce qu'au début je l'aimais pas. Je suis désolé le Trucky si tu passes par là. Je l'aimais pas parce que bah du coup ouais, il fait partie des gars qui je trouve qui s'énervait longtemps pour des trucs qui arrivent tous les jours et qui c'est chiant, tu vois. Mais il s'énervait tout le temps longtemps quoi. Et depuis que j'ai capté que d'où il vient, et bah du coup bah je kiffe et je regarde trop ses vidéos. Et bref, et du coup en fait il passe assez souvent là où je me suis fait klaxonner. Donc je vais vous dire Schweigouz. Ceux qui connaissent Schweigouz, McDo, j'étais. Voilà, je vais souvent au McDo là-bas, voilà, comme ça, vous savez. Et du coup il passe par là aussi. Et en vrai, il y a une probabilité que ce soit lui qui m'ait klaxonné il y a quelques années. Voilà, c'est... Je sais pas, il y a grave moyen que ce soit lui et ce serait énorme quoi. Alors, on pourra jamais savoir, parce que j'avais pas de GoPro. À ce moment-là, je filmais pas. Et voilà. Si jamais le Trucky, tu te rappelles avoir klaxonné un mec en 50 la nuit, près du McDo à Schweigouz, bah c'était moi et j'avais 17 ans. Donc, pardonne-moi. Voilà, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai 21 ans presque. Donc voilà. Ça fait plaisir, t'as c'est ouf hein, quand même. Hein. Oh c'est trop stylé. Là il y avait de quoi faire une miniature. Pardon les gars. Pardon les gars. Il y avait de quoi faire une miniature. Mais j'étais tellement à fond sur mon histoire. Oi oi oi. Ah là on commence à peiner avec nos camions. En fait dans ce genre de situation, ce qui est chiant c'est que le camion devant il peine plus que toi. Et du coup il te fait encore plus peiner parce que du coup tu dois ralentir. C'est horrible. Ah là là. Désolé le motard. Je suis engagé là. Et ouais, en plus ça bat à droite. Genre comme s'il allait me doubler par la droite. Bon allez, on va rouler à 90. Tant qu'il n'y a pas de radar, bah ça va hein. Oh, 96, 97, faites pas ça dans la vraie vie hein. Ah ouais. Ah bah ça tombe bien, je dois tenir la gauche. Parfait. Ah, il y a le motard qui me suit derrière. Tenez la gauche. Ouais. Non mais là, je peux pas faire de miniature, c'est pas joli. Là, c'est pas joli. Je me concentre hein, s'il y a moyen de faire une belle miniature. Bon là on arrive à la fin. Mais ouais, je commence à avoir des frises dans le jeu les gars. Ah ouais, on a un aéroport et tout, il se passe beaucoup de choses. Alors impeccable. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ouais, et par contre les frises on va se calmer direct hein. Bon comme dit c'est bien parce que c'est pas des frises sur la vidéo, c'est juste sur le jeu, mais bah du coup c'est frustrant pour moi aussi quoi.
Ok, un feu rouge. Hop. Frankfurt Airport. Oh, trop stylé. On n'est jamais allé là, du coup. Hein. C'est une découverte, hein, les gars. Je crois qu'on n'est jamais allé là. C'est trop stylé. Motard! On va laisser de la distance. On va pas lui faire peur. Nous sommes de bons routiers. Ouais, elle a allumé ses lumières. Waouh, il y a une miniature à faire, les gars. Oh, c'est trop stylé. Hop, levez des motards. Oh, c'est trop bien, les gars. Oh, c'est trop bien, le groupe. Ah, oh, ouais. Oh. Ah, par contre, je peux pas aller trop loin, il me semble. Oh, c'est trop bien. Ah, ouais. Ah, ouais, les gars. Oh, ben, les gars. Oh, oh, mais non, mais c'est trop. Oh. Putain, là, ça, c'est la miniature, les gars. Ça, c'est la miniature. En plus, avec l'effet de flou comme ça, en vrai, c'est pas moche. Transition, attends, on va quand même pas... on va mettre un peu mon camion flou, mais voilà, pas trop, tu vois. Eh bah, les gars. Oh là, c'est carré de ouf. J'adore. J'adore. Motard. Voilà, on imagine qu'ils ont fait des rupteurs et tout, hein, bien évidemment. Ah, c'est stylé, j'adore. Vraiment? Je pensais pas que ce serait une si bonne idée de rajouter les motos sur le jeu. Je voulais pas, hein. Franchement, je vous ai dit non, les gars, j'ai pas envie, après c'est pas réaliste. En fait, je l'ai fait et je ne regrette pas. Alors, je dois faire quoi là? Parce que le GPS il me dit de la merde. Freinage d'urgence, les gars. Toi-même, tu connais. Bon, bah, les gars, ce fut une belle balade. On fera le camion des abonnés, évidemment, à la fin de la vidéo là, dans quelques instants, vous inquiétez pas. J'ai deux camions à vous présenter, donc voilà. Ça fait le plaisir. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Dommage. 3, 2, 1, top. Dommage. Vous avez vu, le mode, il fonctionne bien. Les feux, ils sont plus longs. Donc les feux rouges sont plus longs, les feux verts sont plus longs. Les feux oranges sont plus longs. Donc en vrai, je pouvais passer. Et comme dans la vraie vie, quoi. Donc c'est vraiment cool. Tourner à gauche. Ah, faut que je tienne la gauche, bâtard. Ah bah heureusement que j'ai fait ça maintenant parce que vu la queue, ouah, ça voulait pas freiner. Par contre, du coup, je bloque la voie de droite et je pensais pas à ce point-là, donc je suis désolé, les gars. Je vais pas pouvoir faire grand-chose là pour le coup. Je vais pas pouvoir tourner faire grand-chose. Mais ta gueule, je vais tourner à gauche. Ah si, c'est bon, ça avance. Ah non, l'autre il veut pas avancer, putain. C'est bon, le feu est vert. Ah ouais, en fait ça bouchonne de ouf. Ah ouais. En fait du coup il peut pas s'engager parce qu'il y a un autre feu là-bas. Mais c'est débile. En vrai c'est débile chez eux, ça passe là-bas. Ouais c'est bon. Ah ouais, mais on va jamais y arriver. C'est débile de ouf. Par contre, hop, on va mettre le frein à main parce que ça me prend la tête. Bon bah les gars, ça va être les 8 minutes les plus longues de notre vie. On va pas se mentir, hein, c'est vraiment le moment le plus fun de la vidéo. Donc on va faire un pierre feuille ciseau. Parce que c'est un petit peu finalement le... C'est un petit peu le... Excusez-moi mais je croyais qu'il y avait un camion renversé là-bas. C'est un petit peu le... Finalement le... ce qu'on fait à chaque fois, quoi. Alors les gars, pas de triche, on fait ça en 3 manches. Vous dites en commentaire si vous gagnez, si vous perdez. 3, 2, 1. Pierre, feuille, ciseaux. Moi c'est feuille, hein. Alors, c'est qui gagne? Ah bah oui, la coupure là maintenant, je suis dans la merde. Pierre, feuille, ciseaux. Je suis pas communiste, hein, les gars. Allez, la troisième manche au cas où. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. N'hésitez pas à me dire qui a gagné. Même si, très sincèrement, je pense que j'ai gagné. Hein. Hop là. Alors, on va regarder les pubs. Bring. Ah non, c'est pas bring, c'est allemand. Bring heute lieb auf den Tisch. Pasta und Sauce. Und certainlich. Je suis bon en vrai, hein. Küchen. Après j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Ouais, je suis pas dégueu, hein. Ah là, le feu est rouge, le feu est rouge. Mais c'est bien, c'est bonne nouvelle parce que en vrai je suis un petit connard. Et quand le feu va passer au vert, bah je vais quand même m'engager, quitte à bloquer tout le monde, hein, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Ah oui, les gars, on a pas que ça à faire, les gars, là, en fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que là j'ai un problème, là, je vais avoir un problème. Ah non, prochaine coupure dans une heure, donc c'est bon. Ça va, y'a le temps. Y'a le temps de ouf. Bon allez, les gars. Et là vous pouvez y aller, hein. Pardon, j'avais pas vu que ça venait à gauche. Le feu est vert, les gars. Non, les gars, abusez pas. Abusez pas des bonnes choses. Mais le feu... Mais les gars.
Abusez pas des bonnes choses, les gars. Non, ça par contre. Je suis désolé, mais. Faut pas abuser des bonnes choses. À un moment donné. Voilà quoi. À un moment donné, voilà. Allez. Ça, c'est pour moi. C'est Bibi qui régale en toute légalité, évidemment. Allez, c'est parti. En plus, ils sont toujours bloqués comme des cons. Je sais pas pourquoi ils sont restés bloqués. C'est très bizarre. Waouh. Il y a tous les drapeaux de l'Europe. Je regardais s'il n'y avait pas des. S'il n'y avait pas des pays qui n'étaient pas dans l'Europe, mais je crois pas. Ok, et eh bah let's go. Hein. C'est là à gauche. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Bon, bah, comme d'hab, les amis. Alors, donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît les mods que j'ai ajoutés ou si vous aimez pas. Voilà, dites-moi, c'est très important. Il faut que j'aille où, moi là. What? Ah ouais. Il veut que je fasse ça, lui. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Eh bah, les gars, vous voulez de la manœuvre? Bah, je vais vous en faire de la manœuvre, les gars. Oh, putain. J'ai tapé dans quoi, là? J'ai tapé dans rien. Les gars, j'ai tapé... Je suis dans un truc invisible. Ah ouais. Je suis dans un truc invisible, les gars. Ah, c'est abusé, ça, en vrai. Hop. Ouais, j'ai compris comment faut faire. Tac. Et là. Alors, il faut que je recule dans ce sens-là. Ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, les gars. Et voilà, j'ai réussi, les gars. Oh, je suis un beau gosse. Je sais pas comment il aurait fallu faire, les gars. Très sincèrement, je vois pas. Ah, bah ça fait plaisir, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pause blow et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, pas de live Euro Truck très sincèrement, mais des vidéos régulières sur le jeu évidemment. Et ce sera aussi pour compenser la semaine d'après où il y aura potentiellement pas de vidéo à part mon EP. Donc voilà. Vous kiffez aussi ou pas quand mon... J'allais dire quand mon pénis a une érection, je suis désolé. Je veux dire quand mon micro a une érection parce que moi du coup, bah, ça me fait chier. Voilà. Allez, c'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde. C'est parti pour le camion des abonnés. On commence avec celui de Simon. Simon 2005. C'est un DAF XF Super Space. 530 chevaux, 30 000 km au compteur, bleu foncé et noir en accord avec la remorque. Alors il est resté dans la simplicité pour ce camion. Il a ajouté sur les rampes de toit des lumières bleues avec le mode Ella Rally 3000. Alors franchement, les lumières bleues, je suis pas fan, mais j'aime bien le potentiel qu'il peut y avoir. Donc pourquoi pas. Mais je suis pas spécialement fan. Pour l'intérieur, il a mis 200 bons, une dashcam, une casquette chrome et une lumière d'ambiance blanche grâce au mode intérieur backlight que j'ai évidemment. Très sympa. Le... Bah, du coup, c'est sympa la petite lumière blanche. En vrai, ça fait plus éclairé. Donc, c'est plutôt sympa. Bah, merci pour toutes ces précisions, pour tous ces détails. Alors, le bleu là, en vrai, je suis pas spécialement fan du bleu là. Par contre, pour la remorque et le noir, c'est sympa. Le camion, bah, du coup, il est vraiment resté simple pour le coup. Donc, c'est sympa. C'est pas un camion extravagant. Mais le bleu foncé, je sais pas, ça fait un peu pyjama. Vous allez me prendre pour un con, mais ça fait pyjama, je sais pas pourquoi. Genre un camion pyjama, c'est improbable. Mais par contre, j'aime bien, donc voilà, merci pour les précisions. Après, c'est un DAF, plutôt classique. Ça fait plaisir. Et le deuxième camion, c'est le Bougna, et par contre, il est magnifique. Je le trouve magnifique. Un Mercedes-Benz Giga Space. Il est équipé de caméras à la place des rétros, et il a parcouru 48 348 km avec. Mais oui, les caméras à la place des rétros. Le nouveau truc incroyable. J'avais vu, je m'étais renseigné et tout. En vrai, je sais pas, moi je suis un peu un vieux de la vieille, mais ouais, je préfère quand même les vrais rétro quoi. Mais si c'est pratique, c'est cool. En tout cas, ouais, c'est stylé, putain. Mais je suis fasciné par ça. Le fait d'avoir les... Ah ouais, c'est incroyable. Bon, je vois qu'il y a du papier toilette aussi à l'intérieur de la... Tu te branles? Alors du coup, ben, par contre, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je vois les lumières extérieures, la rose et bleue en bas. Oh, c'est magnifique. La rampe en haut, elle est géniale, les couleurs sont bien. Et l'intérieur et tout, le tableau de bord, bah, en vrai, il y a tout qui me plaît. Sur ce camion, il y a tout qui me plaît, c'est incroyable. Voilà, je veux le conduire. Bah merci les gars, ça fait plaisir. N'oubliez pas pour me proposer vos camions par mail, Discord, Twitter, Instagram, comme vous voulez, mais surtout avec des précisions comme ce qu'ont fait Simon et le Bougna. Merci à vous et belle journée à tous. Ciao, ciao.